Jet Rufus. And his opponent across the ring on my right, fighting out of the red corner, wearing white trunks from Lille, Malmaison, France. He weighed in at a trim and ready 201 pounds with a record of 38 wins, 5 losses and 2 draws. He has 28 wins coming by way of knockout. Introducing Cyril Diabaté. Charge now to give instructions. 5 3-minute rounds of action scheduled. All right, gentlemen, we're going over the rules. I want to caution you, there is no elbows in this fight. All right? Obey my commands at all time. Keep your hands up and protect yourself. Any questions? Let's go. Troisième fois que Cyril Diabaté se rend ici aux États-Unis. Les deux premières fois, c'était à Chicago. Il avait gagné 2 tournois. Cette fois-ci, c'est un très gros challenge puisqu'il affronte donc cet Américain Rick Rufus que l'on a toujours plaisir à retrouver sur un ring. Un très gros frappeur et qui maintenant est passé à un poids de 95 kg 250. Face à Diabaté, le Français, Jean-Paul, 91 kg 100. Ouais, un peu plus léger, mais beaucoup plus grand. S'il faut qu'il se serve de son allonge, Cyril Diabaté, justement. Alors, il maîtrise certainement mieux les coups de genou, car il a l'habitude de la boxe thaï depuis des années, Cyril, que Rick Rufus. Mais il faut évidemment qu'il se méfie de l'explosivité de l'Américain. Voilà, et puis de ses coups qu'il maîtrise très bien. On sait que c'est une véritable dynamo Rick Rufus lorsqu'il se met en route, difficile de l'arrêter. Et puis il a toujours ses superbes techniques de jambes. Lui qui avait enflammé, enchanté le public parisien et Bercy notamment, vous en souvenez, au début des années 90. Il a 33 ans aujourd'hui, Rick Rufus, et il est toujours présent et c'est toujours une vedette. On vient toujours pour lui. 54 victoires en 58 combats. Il a rencontré les plus grands. Il a remporté 6 titres mondiaux, des poids moyens. Ouais, et là, sa garde de gauche ne va pas impressionner le Français qui lui aussi est gaucher. Les deux hommes sont en garde inverse. Ils s'annulent l'un et l'autre. Attention les corps à corps. Il faut qu'il sorte les coups de genoux, Cyril Diabaté, lorsque Rick Rufus s'approche trop de lui. C'est bien, le low kick, voilà, continue comme ça, à distance. Cyril, qui était à Bercy lorsque Rick Rufus rencontrait notamment Rob Kaman. C'était les débuts de Diabaté dans ce sport. Kaman était son idole, sa référence. Il avait été impressionné par les succès de Rufus. Et cette fois-ci, il ne faut pas être impressionné par cette légende qui a tenté un coup retourné. En haut, les coups de coude sont interdits dans ce combat. Ah, y a un Français qui doit se rappeler des coups de retournée des Américains. C'est Dominique Valera qui a fait les beaux jours du full contact, qui a été le pionnier et qui s'était fait battre par Dan Macaruso sur la côte est des États-Unis, justement pour un championnat du monde de full contact. Au full contact, eh bien, on peut quand même saluer le courage de Rick Rufus qui lui aussi est issu de cette école sans coup de pied dans les jambes et qui a justement eu la témérité d'accepter des défis en kickboxing et maintenant en boxe thaï. C'est bien, c'est fort, c'est mental. Allez, encore quelques secondes et on va laisser les deux hommes aller dans les coins. Oh, le percut qui est passé, attention. Et pour retrouver du beau monde, car du beau monde, il y en a dans la salle, à l'image notamment de Kiki O'Neill, à l'image également de Jean-Claude Van Damme. Et puis, thank you, David. Merci, David. Thank you, David. Voilà, vous l'avez découvert, David Tua, tout simplement, à l'appel de la deuxième reprise, car lui, c'est l'homme qui veut détruire Lennox Lewis, qui va affronter le samedi, donc 15 juillet, François Botta à Londres. Nous y serons avec Jean-Claude Boutier et qui veut également rencontrer Mike Tyson. C'est une interview en exclusivité. Tout
tout simplement parce que c'est peut-être justement l'avenir dans la boxe anglaise. On revient à la boxe pied-point avec Cyril Diabaté là, qui a fort à faire avec un Rick Rufus qu'on a vu extrêmement concentré, très professionnel, toujours comme à son habitude ces derniers jours. Rick Rufus qui a compris maintenant qu'il doit absolument casser la distance pour se rapprocher de Cyril Diabaté et l'empêcher justement de se servir de son allonge. Et puis des coups de genou, on en a vu quelques-uns encore à corps. Rick Rufus qui, évidemment, en prenant du poids, a perdu un petit peu de rapidité, c'est sûr. Oui, mais il dit qu'il se sent mieux. Attention, voilà, il y a eu... Avec ce poids... Quand il dit « j'ai beaucoup changé depuis le début des années 90, je dépensais beaucoup d'énergie pour me présenter comme un champion maintenant, j'ai la maturité et mon passé parle pour moi, mais là c'est le présent et Cyril Diabaté, lui, il veut être l'avenir. » Voilà Eric, il faut qu'il travaille à l'intérieur, travailler sur les jambes évidemment. C'est bien le percut de Rufus. Celui-là, il vaut mieux qu'il ne passe pas. Diabaté qui a fait surtout des tournois de karaté Kyokushinkai, ce style de karaté au chaos. C'était à Chicago, il est venu à deux reprises. Et là, évidemment, c'est un autre style. Bien le low kick. La jambe droite de Rick Rufus qui est marquée. C'est carrément sa jambe d'appui lorsqu'il a levé sa jambe avant qui a été frappée et qui l'a déstabilisé. Et ça y est, il a trouvé sa cible, Cyril Diabaté. Ah, c'est clair que contre un bon boxeur en anglaise, quelle arme le low kick. Lui qui, à l'entraînement, a effectué un travail identique, mais simplement affronté Rick Rufus. C'est une motivation énorme qui doit vous emmener vers le succès. Allez, encore 10 secondes. Il faut que Rick Rufus bloque les coups du Français. Et la fin de cette deuxième reprise. Toujours des jambes maintenant. Ouais, et je crois que le kickboxing va reprendre d'une manière incroyable. Le début de la troisième reprise. Rapidement, vous restez avec nous, Jean-Claude. Je demande mieux, hein. De la... Allez, troisième round. Et il bouge bien, c'est vrai, Cyril Diabaté. Et Jean-Claude Van Damme, vous l'a dit, il est... impressionnant. Et puis c'est vrai que l'intelligence, elle est dans son déplacement finalement, car il se met à l'abri des coups très dangereux de Rick Rufus en se servant bien de son allonge. Vous étiez à Paris, Jean-Claude, pour Kaman Rufus. Kaman Rufus à Paris. Pardon. Kaman Rufus à Paris était très rapide, Rufus à Paris. Il était moins lourd. Il a pris beaucoup de poids pour le combat à Marseille. Ah, exactement, face à Oost, il avait pris beaucoup de poids. Et depuis, il a gardé ce gabarit, Rick Rufus. Alors, il est plus puissant, c'est vrai, mais il a perdu une certaine vitesse. Et puis ça, c'était un mauvais souvenir, malheureusement, pour lui. Marseille, face à Ernesto Oost, KO dans la 11e reprise, terrible. Ouais, un high kick à la carotide. Toujours la garde haute et c'est là au kick qui part du côté de Cyril Diabaté. Attention, voilà, la puissance. Wow. C'est bien ça. Wow. Et il tourne Diabaté, il se met hors danger. Alors Diabaté a un très bon coup d'œil, hein. Très très bon coup d'œil. Ouais. Il sait vraiment lancer ses coups quand il faut. Oh là là, on la voit, la jambe de Rick Rufus en train de changer de couleur. Et il prend de plus en plus de confiance aussi. Cyril Diabaté qui est habitué à travailler dans les deux gardes. Sa jambe la plus forte, c'est la gauche. Les poings, il nous disait, oh moi j'ai pas de préférence, je frappe. D'ailleurs, il a un peu le style de Hoost, dans un sens. Oui, le gabarit lui fait ressembler beaucoup, oui, c'est vrai.
Et puis cette façon d'être toujours en mouvement. Et Rufus, s'il attend trop, aura de plus en plus de mal à saisir sa chance car ses jambes lui font mal. Il se déplace beaucoup moins maintenant. Regardez comment il a du mal à avancer sa jambe avant droite. C'est parfait. Et là, par contre, il a essayé de changer de surface de frappe. Mais Rick Rufus a mal. Et on sait, quand on a les jambes brisées. Allez, on va aller voir. Et d'ailleurs, il ne devrait pas montrer à. Là, évidemment, il a. La jambe blessée. Mais vraiment, il boite sur le ring. Et c'est... Là, voilà, justement. Ouais. Ouais, et voilà, et d'ailleurs, son frère, Jeff Rufus, ouais, qui est en train de dire que le combat ne va pas pouvoir se poursuivre. A priori, il y a une grande question, là, dans le coin. Alors, le médecin de la Réunion. C'est toujours une décision très douloureuse à prendre, hein, si on doit s'arrêter. Oui, et elle est prise la décision parce que dans l'autre coin, l'arbitre est venu lever le bras de Cyril Diabaté, vainqueur. Jean-Claude. Super combat. Il a fait un très bon travail. Hein. Ah oui, il a fait ce qu'il fallait. J'en ai parlé à Samy, il est très jeune dans le métier. Diabaté, c'est ça, hein? Oui, Diabaté, oui. Oui. Et j'espère que ça va se reproduire à Vegas dans 4-5 mois, un autre combat. Voilà, c'est prévu certainement du côté de Sami Khepchi en octobre. Vous serez là? Il fait toujours de très beau travail. Je crois que c'est le plus pro ici. Il fallait oser. Hein. Il fallait oser et je serai toujours là pour lui. Voilà, merci. Super. Jean-Claude. Excusez-moi encore quand j'ai mentionné la boxe française. Parce que là, j'étudie un script sur la boxe française. Excusez-moi. Merci. Bon. On le sait que c'est du Muay Thai. Merci Jean-Claude. Ok. À très bientôt. Ciao. Stops the contest upon advice of the corner. La décision. The winner by way of technical knockout. Cyril